Le 11 décembre, à Neuchâtel, comme partout, on prépare déjà Noël. Je crois qu'il n'est plus un entrepreneur qui s'occupait de football et puis qui... Je pense que maintenant le football compte plus que le reste, c'est pas. C'est un bon joueur, voilà. C'est pas vrai ou bien? Monsieur Facchinetti représente pour moi aussi un équilibre. C'est quelque chose, je vous dirais tout de suite, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé et pas pu voir imaginer il y a 10 ans. Oh ben c'est le plus grand quoi, c'est celui qui dirige tout dans le fond. Avec qui je bien graisse. Je ne suis absolument pas branché sur ce sport. De 1 pour Xamax. J'ai pas parlé avec mon papa, alors je peux pas le dire. Je suis d'accord qu'il gagne. Combien? Moi je dirais 10 à 0. 2-1 pour Xamax. 2-1. 3-1. 2-1, il passe pas, il faut des prolongations, pénalty et tout. Non, 3-1, il passe tout de suite. Allez, 3-1. Alors je passe juste avant qu'on passe à la... avec la fourchette puis le couteau. Hein? Permettez-moi encore une fois ici de remercier mesdames, messieurs, tous ceux qui ont bien voulu participer avec nous dans ce périple européen. On espère que le meilleur gagne ça de toute façon, mais on espère bien que ce soit nous, même si on joue pas bien. Tu les vois, ces Écossais là, ils sont pas plus grands que les autres, ils sont pas plus forts que les tiens. Ça n'a rien à voir, hein. C'est des bêtes. Pourtant, les Neuchâtelois auront raison des bêtes d'en face. Mais il faudra des prolongations, long suspense à nouveau, propre à mettre à vif les nerfs les plus solides. Dégagement de Billy Thompson, déviation Redford, Cohen, Bannon. Alors, attention le pied gauche de Bannon. Bannon passe à Kulbert, ah, il n'est pas maladroit non plus du pied droit. Une course très chaloupée, hop, allez, bon sens. C'est bon, c'est but. C'est but, superbe centre de Bannon. Et puis, alors là, qui est-ce qui a marqué? C'est peut-être bien Beaumont. C'est peut-être bien Beaumont qui a marqué. C'était une occasion. Forestier. Habile le passe à Maï. Hermann avec Kirkwood. Hermann toujours. Tilliquet. Nielsen. Oh, ça chauffe là-bas. Corner. Le deuxième. Seulement 2 corners dans ce match, ce n'est pas beaucoup. Elsener, Riff, Tilliquet. Oh non, ce n'est pas comme ça que ça passera. Alors on repart, Riff, Elsener. Alors un adversaire de passé, un centre. Goldstein, Nielsen. Nielsen égalise. 39e minute. Et bien voilà, juste qui vient de la pointe pour relancer de Châtel Xamax. 39e minute. Une bonne action de Xamax qui attaque sur le flanc gauche. La balle est partie de Riz. Et puis c'est Elsener dont on disait le rôle qu'il pouvait jouer dans ce match. Pénalty ou pas?
quelques craintes. On a le sentiment que Monsieur Dos Santos se dirigeait vers le point du pénalty. Oh là là, une roue libre de Gibbons. Et puis une balle qui vient vers Coyne. Redford est tout seul. Redford. Et finalement, Perret peut dégager le camp. Alors une occasion de but pour les Écossais. Herman. Bien vu pour Kuffer. Kuffer. Stiliquet. Faute du capitaine Heyer. Et voilà un coup franc pour Kuffer. Distance idéale pour Peter Kuffer. Car Kuffer ne prend pas beaucoup d'élan. Le gardien Thompson n'a pas l'air trop inquiet. Herman. Et but. Herman. Dixième minute. Cette explosion de joie, c'est l'ancien souffleur de verre, Heinz Herman, qui la provoque. Enthousiaste de la Mahadière. Ray Gibbons. Et puis Clark. Nielsen toujours. Ah, une mauvaise balle qui n'arrivera pas. Non. Corner tout de même. Corner concédé par Alpaz. Alors, Givens. Givens s'est donné encore la peine. Regardez, il est à gauche. S'est donné la peine de traverser le terrain pour éventuellement jouer de la tête. Lucky. Goal. 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 Monsieur Dos Santos accorde le but. 3-1. C'est vraisemblablement dedans, parce que Thompson est assez malin. Il l'a avancé, cette balle. Thompson évidemment veut prouver et ne convainc personne. Pourtant, l'œil de la caméra est perfide. Il prouve, lui, et il faut être beau joueur et reconnaître que le ballon n'a jamais passé complètement la ligne. C'est cela, le fair play. Lutti. Alors, on regarde. En définitive, peu importe, une équipe devait gagner, ce fut que ça max et c'est tant mieux. On a au moins évité la mascarade des coups de pied au but.